Salut les petits potes, c'est Rookie de retour sur Warzone. Et aujourd'hui, on va rejouer l'aggro sur Warzone 3. Quelles sont les caractéristiques principales de l'aggro qui la différencie de toutes les autres armes? Tout d'abord, sa mire légendaire, ainsi que le fait Et la seule arme qui pourrait réunir ces deux conditions sur Warzone 3, c'est la DTR 3006, puisqu'on peut voir que la mire pourrait ressembler à celle de l'aggro, j'ai pas trouvé mieux sur d'autres armes, et en termes de recul, on est quand même sur quelque chose de très raisonnable. J'ai donc décidé d'utiliser ce class setup pour ressembler un maximum visuellement à l'aggro, et aussi en termes de contrôle du recul, et avec la mire de base. On va y tester ça sur le champ de bataille, c'est parti, je vous emmène avec moi. D'autres opérateurs de cette escouade ont été marqués. Abattez-les. Encore 25 dans la zone d'opération. Un gardien aussi. On a des infos sur une nouvelle cible. Éliminez-la. Vous avez eu cet enfoiré, je savais que vous y arriveriez. C'est pas fini, voici une autre cible. Ennemi dans la zone d'opération. Remocito hostile actif. Le reste de la zone est marqué sur votre carte tactique. Garde.
Concours de primes. Ordres spéciaux reçus. Localité. Ben, c'est la RTS, ça c'est pas mieux. Mais, on demande un survol de reconnaissance. T'es là, Mourinho, non? Mourinho, non, madame, mais. Missile tiré aux coordonnées indiquées. On en a stické, mais. Bunker booster, içeri gir. Bunu can atıyor mu bana can? Yok, Mourinho, bende de yok. Négatif. Le missile n'a touché aucun. Mor amına abateli. Vous avez pris la première place. Continuez de les massacrer pour assurer cette victoire. Ah, c'était le tout comme ça. Prise de position. Il en restait plus que 5, vous y étiez presque. Ils ont été plus forts.